acclame-le, acclame-le, acclame-le. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Nous voulons proclamer, reconnaître que tu es bon, tu es bon. Et ton amour durera jamais. À jamais. Alléluia. Abba Père, notre Père qui est dans les cieux. Pour ce que tu as démontré ton amour en donnant Jésus pour nous. Tu as déjà prouvé ton amour. Tu as déjà prouvé tes bontés. Tu as déjà prouvé tes compassions. Tu es bon, tu es bon. Ton amour durera jamais. Allez, allez, allez. Oh, tu es, tu es, tu es. Abba, nous prenons le temps de reconnaître que tu es bon. Et ton amour durera jamais. Allez, allez. En tout temps, et ton amour durera jamais. Ton amour est éternel. Tu l'as déjà démontré à la croix. Tu es auteur d'un salut éternel. Cerveau de la rédemption. Héros Jésus-Christ de nos vies. Tu es, tu es, tu es, tu es bon. Ton amour durera jamais. Allez, 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 allez. Mon histoire dira, mon âme déclare déjà, mon cœur, mon corps soupire après toi. Pour ce qui est en moi, dire allez. Pour ce que tu as déjà tout accompli. L'histoire de ma vie est complètement finie. Le film est un film en différé. La rédemption a déjà eu lieu. L'éternité est assurée. À celui qui persévérera. Allez, allez, allez. Ô Christ, en nous l'espérance de la gloire, tu l'as déjà bouclé la boucle. Allez, 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 allez. Gloire te soit rendue à notre Sauveur. Allez, 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 allez. Les malaros, chémés, la malaros, chéra, les malaros, dos, et que malaros, chéma, la redos, que la malaros. À toi, accorde-nous la grâce de n'être pas toi, accorde-nous de n'être jamais partagé, accorde-nous de vivre pour faire ta volonté, accorde-nous de vivre pour te révéler, accorde-nous la grâce d'accomplir notre destin, accorde-nous la grâce de sécuriser notre éternité, accorde-nous la grâce de courir la course de la vie. Et de combattre le bon combat, d'achever la course et de garder la foi, de garder le dépôt comme des bons et fidèles, esclaves, prisonniers, doulos, serviteurs. Accorde-nous d'aimer la vérité, de prendre plaisir à la vérité,
dans une génération, Seigneur, qui a la démangeaison d'entendre les choses agréables à la chair. Accorde-nous la grâce d'appartenir à l'Église épouse, celle que tu reviendras chercher. L'Église glorieuse, l'Église qui vit pour ton plaisir. Nous t'implorons, nous te supplions, Abba. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. À la roche, allez, allez. Allez, allez. Accorde-nous la grâce de mettre un seul son. Allez, allez, alléluia. Ne nous laisse pas émettre une autre mélodie. Ne nous laisse pas vivre pour un autre but que de te rendre visible. Ne nous laisse pas vivre pour un autre dessein que de révéler ta gloire. C'est toi qui as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ne nous laisse pas vivre pour un autre but que de te rendre visible, de te faire plaisir et de glorifier ton nom sur la terre et d'accomplir l'œuvre, le travail que tu nous as envoyé accomplir. Ne nous laisse pas faire le plaisir d'un autre que toi. Nous avons la volonté mais pas la capacité. Aie compassion de nous. Quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que nous traversons, quelles que soient les vicissitudes de la vie, Seigneur, ne nous laisse pas oublier que tu as tout accompli et que ce que nous vivons, les combats que nous vivons ne sont que des combats visibles. L'invisible a été nettoyé par le sang. L'invisible a été achevé. Et ce qui prévaudra dans l'éternité, ce n'est pas le visible, parce que les choses temporaires passeront. Ce qui demeurera vrai dans l'éternité, c'est ce qui est déjà achevé dans l'invisible. Alors nous te rendons grâce de ce que tu as tout accompli. La rédemption, la guérison, la délivrance, la restauration, le rétablissement, la domination, la richesse éternelle. Allez, c'est pour cela que nous sommes reconnaissants, Père. Nous ne te jugeons pas en fonction des choses, des réalités visibles, matérielles. Non, Père. Accorde-nous la grâce d'être conscient de notre espérance. Accorde-nous la grâce de voir avec les yeux de l'esprit, de voir avec les yeux de la foi ce qui a déjà été accompli et de nous réjouir en espérance et d'être toujours rempli de gratitude, Père. Pour ce que tu as tout fait par Jésus-Christ. Tout est parfaitement parfait. L'histoire de la rédemption a déjà été bouclée. Mon salut a déjà été assuré. Mon éternité est déjà établie. Le règne éternel est déjà établi. La gloire pour l'éternité est déjà établie. L'enlèvement, la résurrection, la première résurrection, les dents de l'agneau, c'est déjà établi. La défaite définitive de Satan, c'est déjà établi. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de douleurs, plus de souffrances. Oh Père, pendant 80 ans, 90 ans sur la terre, que de combats, de labeurs. Mais dans l'éternité, il n'y aura ni deuil, ni pleurs, ni lamentations. Il n'y aura que la félicité éternelle. Oh Père, pour le plan, l'agenda que tu as scellé pour nous, dans l'éternité, nous te sommes reconnaissants. Accorde-nous la grâce de voir, Seigneur, de voir ce que tu as accompli et d'être reconnaissant. Alors fortifie-nous puissamment par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur pour les vicissitudes de la vie. Seigneur, pour la traversée des vallées, des Gethsémane de la vie, accorde-nous la grâce de tenir ferme. Accorde-nous la grâce d'appartenir à la catégorie de l'Église glorieuse, celle qui ne se compromet pas, celle qui ne se prosterne pas, celle qui ne se résigne pas, celle qui ne lâche pas son héritage.
mais qui gardera la foi jusqu'à la fin et qui finira dans la foi et non dans l'apostasie. Béni soit le nom du Seigneur qui a commencé cette œuvre. Béni soit le nom du Seigneur qui nous garde dans la foi. Il n'y a rien de plus important que de rester dans la foi, de demeurer dans la foi, quelle que soit la condition dans laquelle tu es. Garde le dépôt, Timothée, garde le dépôt de la foi. Ne cesse pas de croire et de demeurer ferme dans la confession de ton espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il est le Dieu fidèle et véritable. Il est la vie éternelle. Béni soit le nom de mon Rédempteur, de mon héros, de ma bannière, de ma lumière, de mon salut, de mon bouclier, de ma délivrance, de mon guérisseur, de mon médecin, de celui qui a commencé une belle œuvre en moi et qui la rendra parfaite pour le jour de Christ. Béni soit le nom de l'auteur de ma foi. Béni soit le nom du prince des rois de la terre. Béni soit le nom de mon médiateur, de mon avocat auprès du Père, de mon souverain sacrificateur. Béni soit le nom de mon héros, Jésus le Christ. Abba Père, nous t'avons ainsi rendu grâce dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous recommandons ce moment entre tes mains. Instruis-nous, édifie-nous, parle-nous, délivre-nous de tous les faux raisonnements qui nous empêchent d'être tout entier à toi. Bâtis l'église glorieuse, bâtis l'église épouse, bâtis l'église qui t'aime, bâtis l'église qui est fière d'être ta possession, c'est-à-dire d'être tes esclaves. Nous ne sommes pas, nous sommes ta possession, mais nous sommes également tes enfants. Nous sommes également des rois et des sacrificateurs sur la terre. Nous sommes également tes brebis. Nous sommes également ton édifice. Nous sommes également ton ouvrage, ton poème, ton œuvre, ton œuvre, des chefs-d'œuvre, parce que tu en es le chef. Béni soit le nom de celui qui nous a sauvés et qui nous tient dans le creux de sa main et qui nous a scellés du sceau du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Voilà pourquoi le jour de la rédemption, le jour de la boisson, le jour du jugement, tu ne seras pas envoyé en enfer, parce qu'on reconnaîtra sur toi le sceau de l'appartenance, le Saint-Esprit, un avant-goût de l'éternité. Et lorsqu'on verra sur toi le sceau du Saint-Esprit, on dira destiné pour l'éternité et non destiné à la colère. Béni soit le nom de celui qui m'a donné son joug et qui a mis dans mon cœur son fardeau. Béni soit le nom de celui qui m'a racheté. Hier, je t'ai possédé, esclave du péché. Désormais, esclave de la justice, esclave de tes lois, de la loi de l'amour, de la loi de la foi, de la loi de la joie, de la loi de la sainteté, de la loi de l'humilité, de la loi de la douceur, de la loi de l'excellence. Abba Père, béni soit le nom de celui qui a fait de nous des esclaves de la justice de Dieu. Oh, Abba Père, nous sommes reconnaissants. Merci d'étendre ta main sur ce moment, sur ce culte, Seigneur. Nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus sur nous, sur ce lieu, sur le matériel, sur les personnes, sur les cœurs. Nous réprimons les esprits qui viennent voler la parole et nous établissons et proclamons ton règne en nous et par nous, par le glorieux Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous t'accueillons au nom de Jésus. Nous allons ainsi prier avec action de grâce. Amen, 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 amen. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclamons-le, acclamons-le. Bienvenue à Pax Chrétien. Bienvenue à toutes nos églises connectées en France, en Europe, en Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est. Même Afrique du Sud, en Afrique du Nord, au Maghreb. Ah oui, alléluia, vous acclamez Dieu. Parce qu'ICC est également présent dans le Maghreb. Je crois qu'on est présent au Maroc. C'est ça, non? Au Maroc. Où ça aussi? En Tunisie aussi? Waouh, on acclame ICC ce matin au Maroc et en Tunisie. Et vous savez qu'il y a une famille ICC qui a commencé à Dubaï. Bientôt j'irai en vacances. Et on acclame les églises de l'Amérique du Nord également. Et des États-Unis. Et bientôt ICC à New York. Ah ouais.
On dit Amen. Alors acclamons le Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout te soit agréable. Te prions. Merci de faire surabonder ta grâce. Au nom de Jésus. Et merci pour cette journée que tu as faite. Merci pour ce premier jour de la semaine. Si nous voyons le premier jour de la semaine, ça veut dire que tout le reste de la semaine, tu nous as gardés. Nous te remercions. Tu nous as gardés sur la terre des vivants. Pas pour que nous continuions de faire notre propre volonté, de vivre selon notre propre convoitise, nos caprices, non. Tu nous as gardés parce que tu es patient avec nous. Et même là où nous étions désobéissants, tu continues d'être patient avec nous. Pour nous ramener à toi, berger de nos âmes. Alors merci de ce que cette semaine et ce matin, tu ramènes à toi les brebis qui s'étaient égarées. Tu ramènes à toi les brebis perdues. Tu relèves ceux qui étaient tombés. Tu guéris ceux qui étaient malades. Tu délivres ceux qui étaient oppressés. Tu fais toutes choses à merveille. Tu mets ta signature sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh God, we thank you. Oh God, we bless you. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Non, attendez, restez là-bas debout, restez là-bas debout. Alors, je suis étonné de te voir là ce matin parce que je pensais que tu aurais fui le culte ce matin. Après le message de dimanche dernier, je m'attendais à ce que des indépendantistes ne viennent plus à l'église. Mais je vois que toi, tu es toujours là. Alors, je veux vraiment que tu acclames le Seigneur pour toi. Ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui ont décidé de paraître fous pour le monde, mais sages pour Dieu. Il y a des gens qui sont fiers d'appartenir à Jésus-Christ et d'être appelés doulos de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es qualifié, tu es sur la bonne voie pour être qualifié au jour du jugement par le Père. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je prie que tu atteignes cette dimension où le Père rend de toi ce témoignage. Au nom de Jésus. Ah, quelqu'un me dit Amen. Maintenant, vraiment, vraiment, tu peux bénir Dieu pour toi-même parce que je vois que tu aimes la vérité. Et que toi, au moins, tu n'as pas la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y a des pasteurs, quand tu lui dis, je suis un esclave, ils disent, non, 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 on est des serviteurs. Il n'a jamais lu le grec. Il a lu la Bible en français, il n'a pas lu en grec. Bon et fidèle serviteur, c'est bon et fidèle. Doulos, tu m'appartiens, tu m'as propriété. Et je suis fier d'être sa propriété. Ah, acclame-le si c'est ton cas aussi. Et ensuite, tu peux t'asseoir dans sa présence. Oh, quelqu'un dit encore Amen. Voilà, nous sommes fiers. C'est la réunion des esclaves de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Miséricorde. Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité, hein? Ils préfèrent. Je suis prophète de Dieu. Tu es un esclave. Prophète, c'est ta fonction, c'est ta vocation. Tu es sa possession, son prisonnier. Je suis fier de ça. Ah, quelqu'un dit aussi Amen. Alors ce matin, je vais répondre à une question. Évidemment, la réponse ne sera pas exhaustive, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais il faut que ce matin, ce soit mon culte, mon message le plus bref. Je n'aime pas quand tu ne crois pas. Mais Dieu va te confondre aujourd'hui. Voilà, ça sera mon message le plus bref, parce qu'on a un avion à prendre tout à l'heure. Donc, voilà, on va au Canada. Et donc, je te supplie, prie pour moi cette semaine, prie pour nous. Amen. Voilà. Il y a tellement d'attentes, tellement d'attentes des gens. Et tellement de démons aussi qui nous attendent, donc tu comprends, il faut prier. Oh, dis gloire à Dieu. Alors, je voudrais répondre à une question. Comment être conduit par l'Esprit dans les prières et les supplications? Puisqu'il dit dans Hébreux et Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, la clé, c'est le par l'Esprit. Tu vois? Donc, la clé, ce n'est pas la prière et la supplication, c'est par l'Esprit. Si tu as fait ça sans l'Esprit, aucun impact. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous vient en aide, d'après Romains 8, verset 26. Et le Saint-Esprit est celui qui nous vient en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, dit Amen. Et celui qui sonde les cœurs,
c'est-à-dire Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, celui qui t'emmène auprès du Père, c'est l'Esprit. Et il n'y a que l'Esprit qui est capable de t'emmener auprès du Père et qui est capable de décoder, de dire au Père. Tu sais, prier par l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit prie pour toi, c'est le Saint-Esprit prie à travers toi. Il te transporte et il t'ajuste et t'aligne sur le Père. Et il sait ce que le Père veut dire, il sait ce que le Père veut faire, il sait. Oh, ta vie a changé. Ta vie a changé. Quelqu'un dit amen. Donc c'est quand même une bonne question. Comment on fait pour être conduit par l'Esprit? Mais d'abord, bien aimé, il est important de comprendre. Il est impératif que chacun d'entre nous comprenne, assimile et apprenne à engager l'art de la prière, l'art de toutes sortes de prières et de supplications. Mais là, on est en train de mettre un zoom en particulier sur la supplication qui est le fondement de l'intercession. Donc, il est impératif que chacun d'entre nous apprenne et apprenne à engager l'art de la prière de supplication et également l'art de la prière d'intercession. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il y a une règle simple. C'est que chaque fois qu'un cas impossible est rendu possible, chaque fois qu'une vie complètement bloquée, enchaînée, est libérée, délivrée, ce n'est jamais le fruit du hasard. Chaque fois que tu vois que l'impossible, ce qui a été déclaré impossible, est devenu possible, ça veut dire qu'il y a une personne au moins qui a eu recours aux prières et aux supplications. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois que l'impossible a cédé place au possible, ça signifie qu'il y a une personne. Si ce n'est pas toi qui a engagé la supplication, il y a quelqu'un qui a engagé la supplication pour toi et la supplication adressée à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre, c'est ça qu'on appelle l'intercession. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois qu'une personne, une famille, un territoire, une nation, un pays est transformé et vit la volonté de Dieu, vit l'essor, vit le déploiement, ça signifie qu'il y a des prix, il y a des supplications ou des intercessions qui ont été adressées à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de situation impossible qui devienne possible sans l'âme de la supplication. Il y a toujours une personne au moins qui doit plaider, qui doit supplier devant Dieu pour que l'impossible devienne possible. Soit c'est toi-même, soit c'est quelqu'un qui le fait pour toi. Mais Dieu veut que toi, tu apprennes à le faire aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour la femme cananéenne, pour la fille de la femme cananéenne, il y a eu sa mère qui allait plaider devant Jésus. Pour la Tsunamite, le fils de la Tsunamite, il y a eu sa mère. Béni soit Dieu pour les mamans. Ah oui, il faut bénir Dieu pour les mamans. Ah oui, franchement. Béni soit Dieu pour les mamans. L'intercession des mères. Eh, il ne faut pas blaguer. Hein. Que Dieu réveille les mères à un pacte sans chrétien et fasse d'être des piliers d'intercession. N'as-tu pas remarqué que la veuve là, face au juge unique, la parabole là, n'a pas dit un homme. La parabole de la veuve face au juge unique, c'est une femme. Il y a quelque chose dans les femmes. Hein. Quand les femmes, c'est pour ça que le diable méprise les femmes, il les abat avec les émotions, il les maltraite, il bousille leurs émotions, parce que le diable sait qu'une femme, quand son âme est restaurée, voilà pourquoi il envoie le rejet, l'amertume, les combats, les souffrances à travers des hommes insensés et irresponsables. Mais que Dieu suscite des hommes qui aiment les femmes. Que Dieu suscite des hommes qui valorisent les femmes. Que Dieu suscite des hommes qui protègent les femmes. Parce que quand une femme est valorisée et protégée, le diable sait que cette femme-là, elle a un pouvoir de le harceler jusqu'à ce qu'il dise « j'en ai assez ». Prends ce qui t'appartient, prends. Ah, quelle femme dise amen. Le diable sait.
Les femmes ont un pouvoir de nuisance pour le diable qui est redoutable. La religion les a accablées. Oui, c'est à cause de toi qu'on a chuté. C'est à cause de toi qu'on a été condamné. C'est faux. C'est à cause de Adam. Parce que Adam était la source. C'est lui le commencement. Tant que la femme est tombée, l'humanité n'a pas tombé. L'humanité n'était pas en Ève. La semence n'est pas en la femme, elle est en l'homme. C'est quand Adam est tombé que l'humanité est tombée. Quand Ève est tombée, l'humanité n'est pas tombée. Alors Adam, arrête d'embrouiller les gens. Bon, donne la main et puis on avance. Béni soit Dieu pour les mères. Pas les jeunes filles, hein, les mères. Ouais. Les jeunes filles, tout ce qu'il y a ça. J'ai marié. Ferme ta bouche, deviens d'abord une mère. Tu n'es pas obligé d'avoir des enfants pour devenir une mère. Si tu veux devenir une mère, prouve que tu es une mère. Présente ta matrice à Dieu. Pendant que tu es célibataire, présente ta matrice. Laisse-le planter sa semence. Laisse-le planter sa volonté. Laisse-le planter ses pensées. Laisse-le planter ses projets. Et décide de devenir une enfanteuse des desseins de Dieu dans ton époque. Je ne comprends pas comment tu peux être une jeune fille et n'avoir que comme fardeau le mariage. Je caresse ta joue. Chocolat. Goudou. Change. On veut des jeunes filles enceintes des desseins de Dieu. Il y en a assez de jeunes filles frustrées. 35 ans, non. Va enfanter les desseins de Dieu. Porte les fardeaux du Père. Il portera tes fardeaux. Et dis-toi bien une chose, hein. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a beaucoup de femmes qui ont commencé tard. On ne se souvient jamais du début d'une personne. On se souvient toujours de la fin. Ta fin sera excellente. La suite et la fin sera glorieuse. En attendant, comporte-toi comme une esclave de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a racheté pour faire sa volonté, pas pour te marier. Oh, il ne t'a pas racheté pour te marier. Il t'a racheté pour un but. Le mariage n'est pas le but. Le mariage, c'est une alliance, une association pour atteindre le but. Et le but n'exige pas le mariage, le but exige l'obéissance. Malé tout ça capala. Mais donne amen. Donc, il faut arrêter de dire, tant que je ne suis pas marié, je ne peux pas accomplir le but de Dieu pour ma vie. Faux! C'est tant que tu n'es pas obéissant. Ta vie a changé. Évidemment que je suis pour le mariage. Et je prie pour que toutes les femmes, les jeunes filles se marient. Mais j'ai compris qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Parce qu'il y a des cœurs qui n'aiment pas. Un esclave qui passe son temps à dire, et toi, ça, je t'ai... Il y a un frère qui m'a envoyé un message, une bonne question qu'il m'a posée. Il m'a dit, pasteur, suite au message de dimanche, je me pose la question parce que j'avais, comme j'ai des problèmes de couple, j'avais mis en stand-by mon service. Afin de prier plus. Pour que Dieu reste dans mon foyer. Donc j'ai dit à Dieu, j'arrête de te servir. Tu as déjà vu? Bon, on va même laisser esclave. On va laisser esclave. Même un domestique. T'imagines un peu un domestique qui vient te voir. Patron, bon, à partir d'aujourd'hui, vraiment, j'arrête de bosser. Comme j'ai des problèmes de couple, j'arrête de bosser. Et puis, je m'occupe un peu de moi. Par contre, vraiment, je vous demande vraiment d'agir, de faire tout pour moi. Tu risques de ne pas... Bon, si c'est pas ici, hein. Parce qu'ici, il y a les droits de l'homme et tout ça. Mais si c'est en Afrique, hein, où les gens n'en ont rien à faire de banque des droits, là, toi, non, tu peux te fâcher. Quand on te met en prison. Même les gens qui te défendent. Enfin bref. Après, on va pas là-bas. Mais en tout cas, tu peux voir venir arriver un truc sur ta tête là. Quoi, hein? Donc vraiment, soyons raisonnables, soyons sages. Bon, dis seulement Alléluia et puis on avance. Que Dieu bénisse les mamans. Donc je disais qu'il y a toujours quelqu'un qui doit plaider, qui doit intercéder. Pour le fils de la tsunami, c'était sa maman.
pour le serviteur du centenier romain, c'était le centenier. Il y a toujours quelqu'un qui doit supplier, toujours. Qui doit crier à Dieu, toujours. Bon, là, je ne sais pas si mon message va être rapide, parce que là... De toute façon, là, tu m'as pris du temps, là. Hein? Même pour que la délivrance d'Israël de la captivité à Babylone, Jérémie avait dit, Israël sera amené captif à Babylone pendant 70 ans. Viens avec moi. Il a fallu là encore que quelqu'un plaide. Il s'appelle Daniel. Daniel, chapitre 2, verset 9. Daniel, chapitre 9, au verset 2. 2 à 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Daniel a vu par les livres que les 70 ans étaient arrivés à expiration. En fait, il était autour de 69 à 68 à 69 ans. Dieu avait dit, c'est 70 ans. La prophétie dit Israël, 70 ans. Et quand Daniel a réalisé que la prophétie, le délai fixé par Dieu de 70 ans était en train d'arriver à expiration, parce que Dieu fait toute chose belle dans le temps de cette chose. La chose ne s'est pas manifestée parce que Dieu avait dit 70 ans. Daniel dit, quand j'ai vu ça, maintenant regarde au verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et jusqu'au verset 20, Daniel a engagé devant Dieu une prière de supplication pour que Dieu accomplisse la fin de la captivité d'Israël à Babylone selon ce qu'il avait annoncé par la bouche de son serviteur Jérémie. Donc, quand la parole s'est accomplie, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des gens cachés que parfois on ne connaît pas qui ont forcément crié à Dieu, demandé à Dieu justice, demandé à Dieu de manifester ce qu'il avait annoncé. Est-ce que quelqu'un me suit? Une personne qui comprend et engage l'art de la supplication et de l'intercession peut donc devenir un partenaire du ciel pour la manifestation des desseins de Dieu, des projets de Dieu dans sa propre vie, dans sa famille, dans sa ville, dans son territoire et dans les nations pour lesquelles Dieu l'emmènera à prier. Et je prie sincèrement que toi et moi, nous devenions désormais comme jamais auparavant des partenaires de Dieu sur la terre à travers les prières de supplication et d'intercession pour enfanter les desseins de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays. Parce que assez, c'est assez. Il faut que ça change. J'ai dit, il faut que ça change. Donne encore amen. Alors, beaucoup d'entre nous sont un peu choqués, étonnés, émerveillés de dire, je n'avais jamais compris la supplication dans cette dimension-là. C'est vrai, parce que le Saint-Esprit nous emmène toujours de profondeur en profondeur. Mais il y en a aussi qui sont étonnés de découvrir la prière de supplication. Et il y en a qui découvrent que finalement, ça fait longtemps que je me laisse molester. Parce que j'étais résigné, je me lamentais, je me plaignais de Dieu, auprès de Dieu, je me plaignais de Dieu. Alors qu'en fait, j'aurais dû engager une procédure de contestation, de nullité, d'annulation de cette vie, de ces épreuves, de ces malédictions, de ces réclamations devant la cour céleste de justice. Amen. Donc, plusieurs sont en train de découvrir qu'en fait, ça fait longtemps que tu pries mal. Et il y en a qui sont choqués. Mais donc, ça fait longtemps que je prie mal. Je subis, je me plains. On a engagé la procédure. Mais maintenant, ça a changé. Et Jésus a dit, le Père agira promptement. Dès lors que, donc, je suis sûr que maintenant, qui a réduit les heures de sommeil la nuit? Qui ici? Montre-moi. Non, je suis sûr que la parole là n'est pas. C'est pas juste pour écouter, c'est pour pratiquer. Est-ce que tu as commencé à changer ta vie de prière? Est-ce que tu te lèves maintenant la nuit pour prier? Tu dors un peu moins? Tu fais la sieste la journée? Même si tu fais. Tu sais que parfois je fais la sieste à 19h. C'est pas grave. Je peux même faire la sieste à 20h. À 20h, oui, oui. Je vais dormir de 20h à 21h.
Parce qu'il faut que, je te dis, il faut dormir. Trouve le temps de dormir. Parce que quand je fais la sieste de 20h à 21h, je peux prier plus de 3h la nuit. Même 4h s'il le faut. Bon, on va dire pour toi 1h, ok? Voilà. Mais, repose le corps dans la journée afin de n'avoir pas besoin de dormir 8h d'affilée la nuit. 8h, tiens. Le diable a le temps de rentrer, sortir, rentrer, sortir. Il rentre dans ton rêve, il sort de ton rêve, il rentre dans ta chambre. Hey, 8h, c'est trop. Ta vie a changé. J'ai dit, tu as changé. Tu dois te tenir la nuit. C'est avant l'aurore. Tiens-toi debout. Qui le fait déjà? Voilà. Donc cette grâce est répandue sur toute l'assemblée au nom de Jésus. Parce que tant que tu ne vas pas engager ça, ça ne change pas. Mais tu changes. Et tout change. Quelqu'un dit amen. Alors l'Esprit m'a dit de te dire que si tu ne connaissais pas vraiment, si tu n'avais pas vraiment eu l'habitude d'engager la prière de supplication, l'art d'argumenter, de plaider devant le juste juge, il m'a dit que celui qui n'a pas eu l'habitude de prier des prières de supplication avec argumentation, comme le pasteur Yves l'a expliqué, il m'a dit, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas vraiment appris, toi, à être conduit par l'Esprit dans toutes sortes de prières. Parce qu'il m'a dit, quand c'est l'Esprit qui te conduit dans tes temps de prière, l'Esprit va toujours te conduire dans les prières et les supplications. Tu ne sauras peut-être pas que ça s'appelle supplication, mais l'Esprit va toujours, ça dépend des circonstances. Il va, tu as écouté les 21 jours de prière, tu as regardé les 21 jours, il y a des jours où c'est l'adoration, il y a des jours où c'est la proclamation, il y a des jours où c'est la contemplation, il y a des jours où c'est la supplication. Ce n'est pas toi qui dis, c'est l'Esprit qui conduit selon sa volonté. Mais tu vas remarquer que si c'est l'Esprit qui te conduit, alors tu vas pratiquer la prière d'argumentation. Tu sais, la culture, l'habitude de dire, Seigneur, tu as besoin de témoins, moi j'ai besoin de témoignages. Ça, c'est de l'argumentation. Oh, tu n'as pas dit amen. Mais c'est de l'argumentation. Parce que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu as besoin de ça. Toi, tu as besoin de témoins. Moi, je veux un témoignage. Et si je ne fais, si je n'ai pas un témoignage, je ne suis pas crédible. Ils ne me croiront pas. Ils vont me dire, mais où est donc, il a fait quoi pour toi? Seigneur, si je n'ai rien à raconter, ils ne me croiront pas. S'il te plaît, manifeste le témoignage, pas à cause de moi, mais afin qu'ils croient dans ce que je suis en train d'annoncer, afin qu'ils sachent que je suis en train de parler de ta part. Ça, c'est de la supplication. C'est de l'argumentation. Oh, quelqu'un dit amen. La seule différence, c'est que l'amplitude de ta supplication, la qualité et l'efficacité a augmenté de niveau. Oh, j'ai dit ça a changé de niveau. Parce que la parole vient t'aiguiser, mieux te tailler, te documenter, afin que tu sois encore plus aguerri et solide et efficace dans l'art de la supplication et, dans et de l'intercession. Voilà pourquoi tout ce qui n'avait pas lâché, lâchera. Ah, il a dit, entendez ce que dit le juge unique. Le juge unique a fini par lâcher devant la femme, devant la veuve. Il va lâcher ton héritage. J'ai dit, il va lâcher. Il va lâcher parce que toi, tu ne lâcheras pas. C'est mon héritage acquis par la rédemption. Il a fait de moi un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ. Donc j'ai un héritage. Cet héritage-là, je ne lâcherai pas. Tout doit être manifesté. On dit amen encore. Donc l'Esprit me dit que beaucoup d'entre nous, en fait, si tu as eu du mal à comprendre, à engager personnellement, si tu n'as pas pris l'habitude d'argumenter dans la prière de supplication, c'est parce que tu n'as pas appris vraiment à être conduit par l'Esprit dans la prière. Parce que quand l'Esprit te conduit, il ne te conduit jamais de la même manière. Tu ne peux pas prier tous les jours de la même manière. Ça, c'est la religion. Quand c'est l'Esprit, ça sera toujours différent et imprévisible. Tu commences par l'Esprit Saint. Tu demandes, Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Mais ne me laisse pas prier selon la chair. Ne me laisse pas prier selon l'intellect. Ne me laisse pas prier selon moi-même, je t'en supplie. Viens à mon secours. Tu sais que je ne sais pas parler, je ne sais pas prier.
Mais amène-moi dans la présence du Père. Lato Baragata. Letos Kabaria. Nebrotozikema. Dès que tu vas prier pour quelqu'un, dès que tu vas prier pour toi-même, quoi que tu veuilles faire, Marco, commence par lui. Saint-Esprit. Lento Brigata la rabado de dama la rama chelerama. Saint-Esprit. Aïe le robe. Si malarama. Mais la tu es supplié. Ah, il y a le ramalé. Tu l'attends. Et tu insistes. Hein? Je t'en supplie. Passe en toi. Aide-moi, je t'en supplie. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier. God, I need you. I welcome you. Tu es le bienvenu, tu es désiré, tu es bien-aimé. Oh, tu es attendu, tu es supplié, tu es imploré. Saint-Esprit, porte-moi, escorte-moi. Allons-y sur les rails de ta volonté. Oh, fais la différence. Quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de sentir. Hein? Tu ne sens pas. Mais tu vas sentir. Mais non, tu ne vas pas sentir. Tu vas savoir. Comment tu sauras? Par le coton. À un moment donné, la manière dont tu coules là, tu sais que ce n'est pas toi. Oh non, là. Non. Tu sais que ce n'est pas toi. Parce que ça commence à... Les pensées sortent, les paroles sortent. Même ta prière, tu t'entends. Parfois tu soupires, parfois tu gémis, parfois tu pleures, parfois tu cries, parfois tu es audacieuse. Ah, quand tu as fini la prière, tu regardes autour de toi, tu regardes au miroir, tu dis, qui a connu ce temps de prière? Tu sais que ce n'est pas toi. Alors tu dis, Seigneur, merci. L'aide au bras, l'aide à la main, l'aide à je vois la grâce augmenter sur ta vie. Quelqu'un dit amen. Donc, beaucoup l'esprit, tu n'as pas appris à être conduit par l'esprit dans les prières et les supplications. C'est parce qu'en fait, tu dois comprendre que l'esprit intercède à travers toi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la capacité de l'esprit à te conduire dépend de plusieurs paramètres. On l'a dit, la capacité de l'esprit à conduire quelqu'un, l'esprit ne fait pas tout à ta place. Il fait tout en toi et pas pour toi. Il fait tout en toi et à travers toi. Il ne fait pas pour. Parce que si tu penses que l'Esprit fait pour toi, tu es attentiste et tu attends. Non, ça n'arrivera pas. Il le fait en toi et à travers toi. À la fin, c'est pour toi et pour la gloire de Dieu. Mais tu dois être un participant. Donc, la capacité de l'Esprit à te conduire dans les prières et les supplications dépend, on l'a dit premièrement, de la connaissance que toi tu as de Dieu. Voilà pourquoi tu dois étudier les Écritures, étudier le caractère de Dieu, étudier la miséricorde, les compassions, la bonté, la fidélité, la puissance, et tout ça, tu le découvres à travers les Écritures. Donc, quelqu'un qui ne lit pas les Écritures, qui n'étudie pas les Écritures, limite la capacité du Saint-Esprit à le conduire dans les prières par l'Esprit, parce que la capacité à plaider, à argumenter, à dire à Dieu, je sais que tu es comme ça. Ça dépend de ce que tu connais. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? L'Esprit ne fait pas tout à ta place, il fait à travers toi et pas pour toi. Donc, plus tu étudies les Écritures, tu découvres Dieu, plus l'Esprit va utiliser ce que tu as découvert de Dieu pour t'amener à parler au Père. Donc, ça dépend de la connaissance de Dieu que tu as. La capacité de Dieu à te conduire dépend également de la capacité de l'Esprit à te conduire dépend également de la connaissance que tu as de ses promesses. Parce que la supplication faite selon l'Esprit va toujours s'appuyer sur les Écritures. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Il est écrit ça. C'est ça l'argumentation. Seigneur, à cause de ce qui est écrit là, il est écrit là. Il est dit, vous verrez maintenant la différence. Seigneur, il n'y a pas de différence. Toi, si tu ne sais pas qu'il est écrit, vous verrez désormais la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comment peux-tu dire à Dieu, Seigneur, établis la différence si tu n'es pas capable de lui dire, Seigneur, c'est toi qui as dit. Donc, ta capacité à plaider dépend de ta connaissance, de sa parole et de ses promesses. Si tu me suis, tu dis amen. Donc, c'est important de comprendre. Dis amen encore. La capacité de l'Esprit à te conduire ne dépend pas que de ce que je viens de dire. Elle dépend également de comment tu te comportes vis-à-vis du Saint-Esprit qui est ton Seigneur. Parce que la Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit.
C'est l'Esprit de Jésus. Il est Seigneur. Le Père est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur. Ça veut dire maître. Adonai, Kurios, en hébreu, en grec plutôt. Si tu es là, tu dis Amen. Ça, par contre, ce point-là, c'est celui sur lequel je vais m'étendre. C'est celui sur lequel je vais insister. La capacité de Dieu à te conduire dépend de la manière dont tu te comportes vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu te comportes comme un bon et fidèle, doulos, esclave? Ou est-ce que tu te comportes comme un employé qui lui donne de temps en temps un peu de temps et qui garde le reste du temps, la majorité pour lui-même? Ou est-ce que tu te comportes comme un impur indépendantiste qui était sauvé, mais pour qui la volonté de Dieu, mais alors il ne faut même pas en parler, j'ai mes projets, ma volonté, ma vie. Bon, toi là, tu as été sauvé, tu as connu le Jésus sauveur, mais tu as refusé le Jésus Seigneur. Ça veut dire que tu choisis qu'un démon encore, là, celui qui t'appartenait, qui te contrôlait avant, là, soit encore ton Seigneur. Mais dans ce cas-là, toi, en refusant Jésus Seigneur, il va toujours être patient d'abord un temps, essayer de te convaincre. Mais si tu persistes dedans, le Saint-Esprit part. Et quand il part, c'est terrible. Parce que la Bible dit, mieux vaut n'avoir pas connu le salut plutôt que de l'avoir connu et d'avoir vomi. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Mieux vaut n'avoir jamais fait l'expérience de Jésus plutôt que d'avoir fait l'expérience de Jésus et puis après de dire, je renonce à Jésus, je veux vivre ma vie. Hey, parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, le diable était furieux. Donc quand tu abandonnes la main du Seigneur, le diable dit, ramenez-le. Je vais t'apprendre ce que c'est que de m'échapper pour t'enlever l'envie de fuir de nouveau de mon emprise. Et la condition de cet homme devient pire qu'est-ce qu'elle était avant. Matthieu 12, 43 à 46. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que toi, comme tu es là et tu es connecté, alors tu as prouvé que vraiment, la parole n'est pas trop dure pour toi. Tu es fier de ton identité d'enfant, de brebis, de serviteur, d'esclave, de doulos, de propriété. Bénis Dieu pour toi-même. ICC. Oh, quelqu'un donne Amen. En tout cas, moi, je suis fier. Je suis fier de ma famille Impact sans chrétien. Ah oui, non. Non, je t'assure, je suis fier. Parce qu'il y a des endroits où ce genre de message ne serait pas passé. Mais je l'aurais quand même prêché. Ah oui, moi je suis un esclave. Moi, il dit de parler, je parle. Mais je vois des gens refermer le front. Et puis ils ne sont sûrement pas revenus. Mais toi, tu es revenu. Non, c'est une bonne famille que Dieu nous a donnée. Seigneur, merci. C'est ça l'église glorieuse, l'église victorieuse. Le ciel t'a intégré dans l'église triomphante. Le ciel t'a ajouté dans l'église glorieuse. L'église qui reviendra chercher, acclame Dieu pour toi-même, acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Donc, la capacité de l'Esprit à te conduire dépend de comment tu te comportes vis-à-vis de lui. Parce que, il m'a dit, ceux qui se comportent comme des bons et fidèles serviteurs seront conduits par l'Esprit. Sauf que un bon et fidèle serviteur ne se caractérise pas par la perfection dans ce qu'il fait, non. Un bon et fidèle serviteur de Jésus-Christ, un bon fidèle esclave, n'est pas épargné par les fautes, les manquements, les erreurs. Parce que la vérité est que tant dans le domaine naturel que dans le domaine spirituel, Dieu sait que ça prend du temps à un esclave. Ça prend du temps d'apprendre à connaître son maître, discerner sa volonté. Et même quand on exécute sa volonté, on commet souvent des erreurs. Et on s'ajuste, on se corrige parfois à travers les recadrages, les corrections. Le maître ne craint pas que tu commettes des erreurs. Il sait qu'on va en commettre. Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il nous regarde, il nous corrige, il ne nous condamne jamais.
n'y a personne qui apprend sans commettre d'erreur. Donc, un bon et fidèle esclave de Jésus-Christ ne se caractérise pas par saint. C'est faux. Il n'est pas parfait, loin de là. Il m'a dit, un bon et fidèle esclave de Jésus-Christ se caractérise d'abord par son cœur. Il a un cœur docile. Docile, ça veut dire qui accepte d'obéir, qui a la volonté d'obéir. Il est OK pour obéir. Un bon et fidèle serviteur se caractérise par un cœur soumis. L'obéissance parle des actes. La soumission parle du cœur. Un bon et fidèle esclave ne murmure pas. Il honore. Il est rempli de gratitude et de révérence. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté. Il sait d'où il est sorti. Il sait à qui il appartenait. Il ne désire qu'honorer son maître qu'il a racheté des ténèbres pour le transporter dans son admirable lumière, qui, en plus de son statut de propriété, l'a quand même établi héritier, co-héritier. Il est tellement reconnaissant. Un bon et fidèle doulos ne peut pas murmurer contre son maître. Il est reconnaissant de ce que son maître l'a choisi. Parce qu'il a dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Voilà pourquoi il ne murmure pas. Un, il est docile. Deux, il est soumis. Un bon fidèle serviteur est docile, il est soumis et il est désireux de faire plaisir à son maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a le désir ardent de faire plaisir. Il a la soif, l'aspiration. Il n'a pas la perfection. Mais il veut faire plaisir à son maître qu'il a racheté. Parce qu'il est conscient de ce qu'il n'y a que deux maîtres. Un bon et fidèle serviteur. Matthieu 6, 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Soit il aimerait l'un, il haïra l'un et aimera l'autre. Soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Un bon et fidèle serviteur sait que un bon et fidèle serviteur veut aimer son maître. Il veut s'attacher à son maître et faire en sorte que l'autre maître là, qui le tenait, Satan, soit haï et soit méprisé. Mais il veut honorer, il veut faire plaisir, il a le désir, il a la volonté. Il n'a pas la capacité, mais il a la volonté. Un bon et fidèle serviteur, c'est un serviteur, c'est un esclave qui est débarrassé de toute envie de fuir son maître. Ça, c'est un bon et fidèle. Parce qu'il sait que s'il fuit, il repart sous l'emprise de l'ancien. Et il n'est pas fou. Donc, un bon et fidèle serviteur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de fuir. Il n'a plus l'intention. Il est tellement content d'avoir été sauvé. Malgré ses luttes et ses manquements et ses faiblesses et ses combats, c'est celui qui dit, à qui irions-nous? Je vais repartir où? Là-bas? Non, jamais. C'est toi qui es la parole, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est un bon. Il prend plaisir à la compagnie, au service de son maître. Mais il sait qu'il a des combats. Il sait qu'il est combattu à l'intérieur de lui. Il sait que la chair n'est pas d'accord. Le monde n'est pas d'accord. Le diable n'est pas d'accord. Mais tout en lui désire honorer. Désire obéir. Quelqu'un me suit? Et j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, celui qui a ce genre de cœur-là est qualifié pour être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas ce cœur docile, désireux d'obéir, soumis, désireux, il peut prier, il va supplier, il va intercéder, il va argumenter, il va adorer. Celui qui n'a pas ce cœur-là, et il va faire tout le protocole de la prière, supplication, sauf que ça ne sera jamais conduit par l'Esprit. Parce qu'il m'a dit, il ne peut pas conduire dans la prière quelqu'un qui n'a pas pris l'habitude de conduire dans son quotidien. Parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils peuvent être conduits, parce que conduit par l'Esprit, ça veut dire quoi?
Saint-Esprit, tu es imploré. Ils vont faire ça. Et pendant le temps de prière, ils vont lever les mains. Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'avant de venir à la prière, là, quand il t'a dit honore ton père et ta mère, tu as dit non. Quand il t'a dit pardon, tu as dit il a fait trop de mal. La manière dont elle m'a traité. Une voix t'a dit c'est trop facile. Quand il t'a dit sème, tu as dit sans effet. Quand tout le monde prend son compte bancaire, sa carte bleue ou son. Toi, tu es là. Je ne donnerai rien. Pourtant, c'est lui qui est en train de t'instruire. Mais quand tu arrives à l'église, tu lèves les mains hypocrites et tu es là. Oh, paraclet. Parce qu'en fait, tu es comme le pasteur Ivan Chan. Tu es supplié. Même, tu fais même des rimes que je ne fais pas. Tu sens même des sons que moi, je ne sais pas sortir. Tu es trop fort. Tu es trop admirable, vraiment. Comme on dit au pays, je te langole, hein, ça veut dire que je fais comme ça pour toi, vraiment. Tu es un acteur de premier rang, une actrice. Moi, je dis toujours à Hollywood, s'ils n'ont pas de budget, venez à l'église. Si vous avez besoin d'acteurs pas chers, on en a plein chez nous au mètre carré. Chakalaba, 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 chakalaba. Alors, parce que là, maintenant, j'ai besoin que tu me conduises sur le chemin de ta volonté, parce que je dois savoir c'est qui mon mari. C'est qui ma femme? Je prends quoi comme travail? J'ai besoin de ta direction. Il m'a dit sans effet. Il ne te parlera pas. Il ne peut pas te conduire dans la prière dont tu as besoin. Tu as besoin d'inspiration. Tu as besoin d'instruction. Tu as besoin de réma. Tu as besoin de direction. Il ne va pas te conduire dans la prière s'il ne te conduit pas dans la vie de tous les jours. Tu es là ou tu es parti déjà? Ah, tu es là. Ah, alléluia, acclame le Seigneur parce que. Non, parce que tu sais, il y a des paroles qui font partie des gens. Il y en a, ils se lèvent. Oh, j'en ai marre. Hein? T'inquiète pas, je suis détendu. Moi, on est ensemble, vraiment. On est ensemble. Voilà pourquoi on a prié que le sang de Jésus soit aspergé sur toi et que tout esprit qui veut voler la parole soit réprimé au nom de Jésus. Donc, la main du Seigneur est sur toi. Si tout va bien, tu vas accepter la parole, elle va te transformer et le Saint-Esprit sera le Seigneur. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit ne conduit pas les gens 3 fois 5. Le Saint-Esprit ne conduit pas des gens qui connaissent les Écritures par cœur. Le Saint-Esprit ne conduit pas des gens qui savent prier parce qu'il dit que tu ne sais pas prier. Le Saint-Esprit ne conduit pas des gens qui sont anciens dans la foi. Non, le Saint-Esprit conduit des gens qui ont un cœur docile, soumis, désireux et qui ne veulent pas repartir à un autre maître. Qui sont là, qui ont décidé de rester là et qui demandent seulement la grâce de faire ta volonté. Je n'ai pas l'intention d'aller vers Satan. Je n'ai pas l'intention d'avoir un autre Seigneur que toi. Mais je demande la grâce de rester cramponné à toi. Lui là, Dieu m'a dit, il conduit premièrement les gens qui ont le désir de lui. Pas les gens qui connaissent la Bible. Il ne conduit pas les gens qui sont pasteurs. Pas qui ont des titres anciens. Anciens des jours. AP, PA, PP, PC. Il ne conduit pas les titres. Lui, il regarde au cœur des gens. Voilà pourquoi il y a des gens ici, ils entendent plus Dieu que des pasteurs. Ah, je t'assure, hein. Pas ICC, hein. Pas ICC. Non, pas ICC. Mais il y a des gens qui entendent Dieu. Tu veux l'entendre? C'est le cœur qui regarde. Le cœur assoiffé. Les gens qui sont pauvres en esprit. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les gens assoiffés sont des gens qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Les pauvres en esprit
sont ceux qui reconnaissent que spirituellement ils sont pauvres et que lui, Dieu, est leur plus grande richesse. Le Saint-Esprit conduit des gens qui ont le désir de lui, qui ont soif de lui, qui le désirent lui, qui sont tellement conscients d'avoir été rachetés qu'ils ne veulent appartenir à personne d'autre, ils ne veulent glorifier personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tirés par des réclamations. Si, la plupart du temps, c'est pour ça que tu dis, le Saint-Esprit ne conduit pas des gens qui sont sans. Il conduit des gens qui parfois tombent, qui luttent avec le péché, mais ils ont tellement désir de lui plaire que tu ne vas jamais voir un assoiffé rester dans le péché. En fait, il peut se battre, rester longtemps dans le péché, mais il ne va jamais prendre plaisir à demeurer dans le péché. Même quand il tombe, à l'intérieur de lui, il est en train de crier. À l'intérieur de lui, il n'a pas envie de rester là. Même quand il se masturbe, il dit, j'ai pas envie. Fais-le, j'ai pas envie. Même quand il va se masturber, il va crier à Dieu. Ça, ce sont des assoiffés. Ces gens-là, l'Esprit m'a dit, lui, il va leur parler, il va les conduire. La soif va les caractériser, la soif va les tirer. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit ne conduit pas les gens qui vivent nécessairement dans la sainteté. Il y en a qui vivent dans la sainteté, l'Esprit ne les conduit pas. Parce qu'ils sont comme le bon samaritain. Non, pas le bon samaritain, ils sont comme le pharisien et le lévite, le sacrificateur et le lévite. Seigneur, moi je te rends grâce parce que moi, j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, yo, 7 ans, 10 ans d'abstinence, tu es trop fort au Saint-Esprit. Je te rends grâce. 10 ans de sanctification. Et puis quand il parle avec les gens, j'ai 10 ans. Hein. Je viens de fêter mes 10 ans. Le Saint-Esprit, parce que tu peux vivre dans la sainteté, mais ne pas être assoiffé de lui. Parce que du coup, la sainteté pour toi, ce n'est pas le fruit. Parce que tu sais que toutes les saintetés ne sont pas le travail de l'Esprit. Il y a la sainteté qui peut être le travail de l'éducation que tu as reçue. Rien, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est juste parce que tu as grandi. Ça ne signifie pas que tu n'as pas de pensée impure. Hein. Non, parce qu'au niveau des pensées, ça, il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Ah, il n'y a que Dieu qui sait. Tu peux préserver ton corps, ne pas pécher dans ton corps, mais pécher dans ton âme. La souillure, l'impudicité. Mais ça, on ne voit pas. C'est pour ça que tu te vantes, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas. Hein. On sait, moi je sais. Je sais. Si ça ne vient pas de l'Esprit, alors tes pensées sont souillées, même si ton corps est propre. Sauf que malheureusement pour toi, Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la combattre dans son cœur a déjà commis avec elle l'adultère. T'es déjà tombé. Alors sois humble. Reconnais que tout n'est que grâce. Si ce n'est pas enfanté par l'Esprit, ce n'est pas agréable à Dieu, parce que Dieu sait que tu pèses dans tes pensées. Waouh. La broche, la balle, la main. L'Esprit finit toujours par... L'Esprit conduit les personnes qui refusent. Ce n'est pas qu'elles sont parfaites, mais quand elles tombent, elles refusent de rester là parce qu'elles ont dit, je n'aurai pas un autre Dieu. Je n'aurai pas un autre Seigneur. Alors elles vont combattre. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens qui tombent. Parce qu'il y en a qui tombent et qui tombent. Il y en a qui tombent et qui prennent plaisir à tomber et à rester là-bas. Puis il y en a qui tombent, non, je ne reste pas là. Ils vont crier à Dieu. Ceux-là, il est écrit, lorsque le juste crie, le Seigneur entend. Lorsque le malheureux crie, le Seigneur entend. Il est délivré de toutes ses détresses. Même le malheureux, lorsqu'il crie, le Seigneur entend. Dieu entend au nom de Jésus. Dieu entend tes prières, voilà pourquoi, bien-aimé, ta vie ne restera pas là où elle est. Ce péché ne te tiendra pas. Je suis venu te dire que si tu veux être conduit par l'Esprit, dans tes prières et dans tes supplications, elle a soif, le désir ardent de plaire à Dieu. Quel que soit le nombre de fois où tu tombes, ne te décourage pas. Dieu regarde à ton cœur disposé, bienveillant, et Dieu sait que tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire. Et tu vas sortir de là. Oh, dis Amen. Acclame Jésus. Oh, voilà.
Ensuite, il m'a dit de te dire quelque chose de très important. Il m'a dit, lui, le Saint-Esprit, un, il conduit les gens qui sont assoiffés. Deux, il conduit les gens qui lui obéissent lorsqu'il leur donne une instruction. Alors là, c'est un peu subtil. Donc, si tu es connecté, tu dis amen. Il m'a dit, lui, il conduit les gens qui lui obéissent lorsqu'il leur donne une instruction. Et puis, il m'a fait une subtilité, une nuance. Il m'a dit, il y a les gens qui te disent de faire des choses, et puis il y a ce que l'Esprit lui-même t'ordonne de faire maintenant. Vous savez, lorsque on acceptait Jésus, parfois, les gens qui t'encadrent te disent de faire beaucoup de choses. Tu as accepté Jésus? Ok. Il te donne la liste des notes to do. Henceforth, désormais, tu n'écouteras plus la musique mondaine, tu n'iras plus en boîte de nuit, tu ne fumeras plus, tu ne boiras plus, tu ne t'enivreras plus, tu ne prendras plus la drogue, tu ne. Il y a beaucoup de choses que les gens qui encadrent disent. Il y a beaucoup, les gens qui nous encadrent parfois, mettent la priorité sur les mauvais fruits qu'ils voient en toi. Quelqu'un me suit? Ça t'est déjà arrivé que tu acceptes Jésus et puis les gens te disent tout ce que tu ne dois pas faire, lève la main. Non, si tu ne lèves pas la main, ça veut dire que toi, on ne t'a jamais encadré. Tu es un électron libre, toi, tu ne connais pas l'encadrement. Hein? Miséricorde de miséricorde. Ben oui, non, mais tu dois te faire encadrer. Tout le monde a besoin d'être encadré. Hein? Donc, tu dois être encadré. Tu as compris? Miséricorde. Oh là là. Bon, bref. Donc, je te disais que parfois, les gens qui nous exhortent, encadrent, mettent l'accent sur les mauvais fruits qu'on a et pour nous, ils veulent nous débarrasser de ces mauvais fruits. Par contre, Dieu, lui, met toujours la priorité sur la racine. Pas sur les mauvais fruits, sur la racine qui engendre ces mauvais fruits. Dieu va toujours, quand il deal avec toi, commencer avec le cœur. Dieu ne va pas te dire, arrête d'aller en boîte de nuit. Non, il peut te le dire. Mais ce n'est pas par là qu'il va commencer. Si tu es là, tu dis amen. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire. Et quand je me suis converti en 95, bon, je vous ai déjà raconté comment... j'aimais le foot, hein, j'étais un passionné de foot. Et puis, le mercredi soir, c'était le quand il y avait la Ligue des Champions, et puis il y avait l'église, je me demandais pourquoi ils mettaient le culte un mercredi soir. Et donc, je n'y allais jamais. Et puis un jour, quand je prie, dans une attitude sincère, je demande au Seigneur de mettre à nu. Tu vois, je n'étais pas consacré. Je préférais le football à l'église. Mais il m'a parlé. C'est pour la preuve qu'il ne parle pas aux gens saints. Mais il savait que j'avais soif de lui. J'avais le désir de le connaître, j'avais le désir de l'aimer. Et un jour, dans mon désir de l'aimer, je lui dis, Seigneur, montre-moi ce qui est dans ma vie. Expose ce qui m'empêche de grandir avec toi. Et là, j'entends football. Je dis, hey. Je dis, ah non, c'est pas interdit ça. C'est pas interdit dans la Bible. C'était la voix qui m'avait parlé. C'est la preuve que le Saint-Esprit conduit les gens qui sont sincères. Quelqu'un me suit? Et les gens me disaient, Ivan, il faut que tu arrêtes de choisir, il faut que tu arrêtes de rester à la maison quand il y a un match de football. Les gens me disaient, il faut que tu arrêtes. Ils me parlaient de ce que je dois arrêter de faire. Sauf que l'Esprit m'a... En fait, l'Esprit m'a jamais dit d'arrêter de regarder le football. Quand il m'a parlé, quand il m'a dit football, il ne m'a pas dit arrête le football. Il m'a dit le football a la première place. Je ne sais pas moi. Ce n'est pas moi, c'est le football qui a la première place dans ton cœur. Si tu me demandes de l'enlever, je vais l'enlever. Et ce jour-là, je lui ai présenté ça. J'ai dit, enlève cette idole. Prends la première place. Il ne m'a pas empêché de regarder les matchs après. C'est juste que quand il y a un match et quand il y a l'église, il n'y a même plus de débat. Je vais choisir l'église. Mais toi, il ne m'a pas dit ne fais plus. Il m'a dit donne-moi ton cœur. Donne-moi. Tu veux que je t'enlève ça? J'ai dit enlève. Et puis il a enlevé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'était la voix de l'Esprit. Et quand il te parle, à cet instant-là, il avait répondu à ma question. Si j'avais dit non, je n'obéis pas, je n'aurais plus jamais entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Saint-Esprit conduit les personnes qui lui obéissent lorsqu'il donne une instruction.
Parfois, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de parler, ce sont les gens qui sont en train de me parler, de te parler. Mais quand c'est lui qui te parle, il parle en réponse à tes questions, en réponse à tes prières. Et quand il te dit ça, enlève-le. Parce que ta capacité à continuer de l'entendre, être conduit par lui, dépend de ta capacité à obéir à cette instruction. Est-ce que tu es là? Parfois, les gens vont te dire, j'ai reçu cet exemple-là. Parfois, les gens vont te dire, arrête la drogue, arrête l'impudicité. Évidemment qu'il faut arrêter la drogue, il faut arrêter l'impudicité. Ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois, l'esprit ne va pas commencer par ça. Il y a ce que les gens disent et puis il y a ce que l'esprit lui te dit quand il te parle à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui luttent avec l'impudicité. Tu penses que tu lui dis d'arrêter l'impudicité parce que tu penses que leur problème numéro un, c'est l'impudicité. Tu penses que le problème numéro un, c'est la colère. En fait, pour beaucoup, Dieu traite la racine. Toi, tu traites le fruit. Dieu traite la racine. Et il y a beaucoup de cas où, quand Dieu va te parler, il ne va pas te dire, arrête l'impudicité. Arrête l'impudicité. Arrête ci, arrête ça. Il va te dire, j'ai mis une personne dans ta vie. Reconnais cette personne comme un père pour ta vie. Tu te dis, pourquoi le rapport? J'ai vu ça. Dieu, pour guérir quelqu'un, il ne lui dit pas arrête ci, arrête ça. Parce que Dieu sait qu'en fait, tout ce que la personne fait, c'est lié au rejet, à l'absence de père. Et la colère, l'amertume, le ressentiment à cause de l'absence de père. Et dès que lui, quand il va te parler, les gens te disent, il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu arrêtes ça. Le Saint-Esprit te dit, je t'ai mis un père dans ta vie. Accepte sa discipline, écoute-le, et quand il te dit de faire, fais. Il va remplacer dans ta vie l'image, le portrait du père que tu n'as pas eu. Et dès que la personne, parce que c'est à la personne d'obéir, donc toi là où tu vas sur l'impudicité, lui il dit non, reconnais la personne. Et dès que la personne reconnaît cette personne-là comme un repère, une bande dans sa vie, qui va l'aimer sans condition, mais qui va également la corriger. Pas la cajoler, mais également la corriger. Mais d'abord l'aimer, puis après recadrer. Tu vas être choqué de voir le nombre de personnes qui ont fini avec l'impudicité, qui ont fini avec les envies de suicide, qui ont fini avec la peur d'être abandonné, qui ont fini. Parce qu'il y a beaucoup de gens, l'impudicité, c'est pas parce qu'ils aiment ça. C'est parce qu'ils essaient de rester, d'avoir quelqu'un qui les aime. Mais dès que tu as mis la bande de l'amour là, manifestée à travers une personne, tout le reste est parti. L'Esprit m'a dit de te dire, Dieu ne te guérit pas toujours, pas comme les hommes. Voilà pourquoi quand tu vas prier, avec un cœur sincère, il y a des gens à qui ça fait longtemps qu'ils te disent, j'ai mis cette personne-là, tant que tu vas rester loin de cette personne, le repère n'est pas établi et tu vas continuer de lutter. Alors les frères et les soeurs vont te dire, mais arrête ça, ça c'est pas bien. Mais Dieu te dit, écoute la voix. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des combats, il y a des gens qui ont des addictions, il y a des gens qui ont des luttes, il y a des gens qui ont des défis de l'âme, de la santé. Et puis quand tu pries, si tu écoutes l'Esprit, il va te dire, à partir de maintenant, écoute cette personne-là. Mange les messages de cette personne-là. Et au début, tu ne comprends pas pourquoi. Il va te dire, écoute celui-là. Et quand tu écoutes la personne, les paroles qui sortent de cette personne deviennent des instruments de ta délivrance et de ta libération. Quelqu'un me suit? Mais il te dit, reconnais une personne que j'ai placée. Nourris-toi de ces enseignements. Et tu vas te rendre compte que... Et le diable va te combattre, te dire, non, c'est comme tous les autres. Non, non, non. Dans Jérémie 3, verset 15. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je vous donnerai des bergers. Ta capacité à reconnaître les bergers que Dieu te donne. Dans ces bergers-là, il a mis la compréhension de tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses. Il a mis la sagesse pour savoir comment te sortir de là. Mais c'est par des bergers. Reconnais les bergers que Dieu a mis dans ta vie. Laisse-toi abreuver par eux. Et tu vas te rendre compte que plus tu les écoutes, et plus, parce qu'il y a des gens qui transportent un manteau, une grâce. Il y a des gens qui transportent une grâce de libération. Tant que tu ne les écoutes pas, tu ne sors pas. Et pourtant, tu vas de gauche à droite, de droite à gauche. Il y a des, il y a des,
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vois, cette partie du message est un peu bizarre. Mais il m'a dit, quand tu as soif de lui, que tu as le désir de lui plaire, il va te donner des instructions. Il ne va pas te dire de lire la Bible de Genèse à Apocalypse et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse, pratique-le. Ce n'est pas comme ça qu'il fait. Mais quand tu as soif de lui, tu as le désir de lui plaire, il va en faire entendre sa voix. Et quand tu vas entendre sa voix, branche-toi à telle source. Écoute cette personne. Elle a un manteau, elle a une grâce, qui court, un fleuve qui correspond à ta libération. À toi. Dès que tu l'écoutes, soudainement ta vie est soulevée. Et les luttes que tu avais, tu ne les as plus. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, non seulement tu restes où tu es, mais ton état peut s'aggraver. Mais si tu écoutes la voix de l'Esprit, parce qu'il n'y a personne ici qui prie avec un cœur sincère, qui peut dire que jamais il n'a entendu à l'intérieur de lui une conviction divine. Quelqu'un me suit? Moi, quand j'ai connecté à Pasteur Mathieu, je ne savais pas pourquoi il fallait connecter à Pasteur Mathieu. C'est un anglophone. Je ne savais pas. Et il y a des choses que Dieu te dit, tu ne sais pas pourquoi il te dit. Mais quand je regarde 20 ans après, la dernière fois, le 1er janvier 2021, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, je t'ai donné deux pères. Ton frère et toi, je vous ai donné deux pères. J'ai dit, ok. Le 1er janvier, je me suis réveillé. Il m'a réveillé en me parlant. Je t'ai donné deux pères. Il m'a dit, je t'ai donné deux pères. Un, pasteur Mathieu. Deux, pasteur Karambiri. Ou dans l'homme, tu peux en changer. Ce n'est pas l'ordre défini. Il m'a dit, je te l'ai donné parce que, un, le pasteur Mathieu, à cause de l'excellence qui a caractérisé ses œuvres sur l'Europe. Deux, papa Karambiri, à cause de la francophonie, c'est l'autorité. Mais sur l'Europe, les œuvres que fait pasteur, qui accompagne pasteur Mathieu, sont hors du commun. Pasteur Mathieu a été le premier pasteur en Angleterre, premier pasteur noir à franchir le cap de la méga church, plus de 1000 personnes. ICC est la première église à franchir le cap de plus de 1000 personnes. Première église KICC, l'église pasteur Mathieu, a acheté un déménagé, quitté de locataire pour être propriétaire d'un bâtiment, c'était à Darnie Road. ICC, première église dirigée par un pasteur noir, a acheté ici, à Boissy-Saint-Léger. Pasteur Mathieu était le premier pasteur à avoir la plus grande église. Quand ils ont déménagé de Darnie Road, ils sont allés à Waterden, c'était immense. ICC. Ok. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le bâtiment qui va sortir là, pasteur Mathieu dit, on était là-bas à Londres cette semaine avec ma femme, on a fait l'aller-retour. Il dit aux autres pasteurs anglophones, il dit, ce que ces gens-là sont en train de construire en France nous fait tous paraître ridicules. C'est lui qui dit, pasteur Mathieu, il dit, on a tous l'air ridicules. On dirait un aéroport. Et Dieu m'a dit, tu penses que c'est par hasard, vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, tu penses que c'est à cause de toi? Je dis, non, Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'héritage, le manteau. Le manteau. Alors, beaucoup de pasteurs cherchent la croissance. Ils cherchent. Mais moi, l'Esprit m'a dit, connecte-toi à une personne. Est-ce que tu comprends? Donc, les gens peuvent te conseiller. Non, fais comme ça. Mais que dit l'Esprit? L'Esprit peut te connecter à une seule personne. Dès que tu t'es connecté, tu as honoré, respecté. Pouf! Le manteau que tu reçois te délivre de tous les combats que tu avais. Ça, mais par contre, tu méprises l'instruction qu'il t'a donnée. Non seulement tu restes tué, mais tu dégringoles.
Je parlais avec un pasteur avant-hier. Il me dit, mais moi, je parlais avec un pasteur. Je lui ai dit, mais vous qui êtes en France, allez voir le pasteur Ivan, il va honorer ce gars-là. Et puis, il me dit qu'il y a un pasteur qui lui a dit, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il a dit, bon, je ne parle plus avec toi, je perds mon temps. Il dit, mais vous ramez, vous galérez, allez voir. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui me dit qu'il a dit. J'ai dit, il me dit, mais les gars sont tellement aigris. J'ai dit, ce n'est pas grave. Il faut avoir compassion, il ne faut pas juger. Et puis, ce n'est pas grave, on va quand même créer une plateforme pour tirer les églises, tirer les pasteurs. Ce n'est pas grave. Parce que lui-même, le pasteur avec qui je parlais avant-hier, il a visité l'hôtel royal. Bon, je n'ai pas dit à ma femme, il a visité l'hôtel royal. Mais il avait envie de pleurer. Il m'a dit, non, mais tu ne dis pas la vérité aux gens, tu ne dis pas. Je dis, mais pourtant, je dis, mais on a décrit. Il dit, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as décrit. Il dit, ça n'a. Je dis, mais pourtant, on a décrit 14 salles. Il dit, non, fais-moi confiance. Le gars avait envie de pleurer. Il s'est mis à genoux devant moi. Il a dit, non, prie pour moi. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ça n'a. Il dit, non. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Je ne pensais pas qu'un jour dans la francophonie, on pourrait voir ça. Il m'a dit, mais tu ne dis pas la vérité aux gens. Je dis, ok, mais il faut qu'ils viennent voir. Hein. C'est pour ça qu'ils disent, mais c'est pour quand? Vous n'avez pas idée. C'est tellement, je te dis, en fait, les gens n'ont pas idée. Ils n'ont pas idée. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Ouais, mais ça traîne. Mon gars, tous les gens qui viennent là, eux deux là. Ah, j'ai un homme ici là, ok? C'est un chrétien égyptien. Hein? Il est dans l'immobilier. Il était emmené par l'évangéliste Gratien sur l'hôtel royal. Et quand il est parti là-bas, il a dit à Gratien veut rentrer. Il dit non, c'est pas ici. Gratien lui dit si, c'est ici. Il dit non, c'est impossible que ce soit ici. Il a dit c'est pas possible. Il a dit c'est impossible. Impossible. Oui, on acclame le Seigneur pour notre frère Rémi. Il a dit c'est impossible. Il a dit c'est impossible. Pardon de t'afficher. Il était tellement scandalisé que Gratien nous a dit qu'il n'a pas dormi la nuit. Et il a dit à Gratien, mais tu m'as présenté des pasteurs. Fallait me présenter les Castanous, mais c'est eux, il fallait me présenter. Mais il fallait me présenter des gens comme ça. Acclame Jésus pour lui, acclame Jésus. Acclamons Jésus. C'est ça, en fait, on n'a pas idée. Le gars s'est mis à genoux, il m'a dit non. Il m'a dit, pour moi, c'est inimaginable. Donc, jusqu'en partant, il est parti en baissant sur la tête, en disant, il dit, moi, respect. Il dit, respect. Parce qu'il m'a dit, tu as dû payer un prix. Je dis, oh, tu n'as pas idée. Je dis, les gens ne connaissent pas le prix. Ils ne savent pas, parce que je n'en parle pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, il faut écouter ce que dit l'Esprit. Si tu n'écoutes pas l'Esprit, tu vas de personne en personne, de pasteur en pasteur. Il y a des bergers que Dieu a suscités avec un manteau. Reconnais une seule personne, connecte, ta vie change. Et il m'a dit, c'est pour ça que je fais la différence entre ce que les gens te disent et ce que la voix te dit. Mais si tu as soif de Dieu, le désir d'être son prisonnier, il va toujours t'orienter vers une personne. Assieds-toi à ses pieds, quand il te parle, écoute. Quand il t'instruit, obéis. Ta vie change. Et toi, ta vie a changé. Acclame-le, 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 acclame-le. Maro dosike te bara. Sharamanarane malarina malarina malarina. Shimilararo malaro silara malaro shanena. Et quand le Seigneur m'a dit ça, il m'a dit, je t'ai donné Papa Karambiri parce que c'est l'autorité dans la francophonie. Et en début d'année, le pasteur Karambiri a dit que moi, je suis rentré dans le conseil secret de Dieu. Maintenant, la francophonie a été confiée à d'autres autorités. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Entends quand l'Esprit parle. Et obéis. Et tu es choqué de voir comment ta vie est retournée.
Du coup, la même grâce, le même manteau, le même poids est déversé dans ta vie. Incline la tête avec moi. Accorde-moi la grâce de t'entendre. Accorde-nous la grâce d'être conduit par toi. Magnifique Saint-Esprit. Hey, yéloro, chakatalema. Mare dosi me la 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 bre dosi ke ba. Chale brasi mare. O parakli chale la manure. Parakli tue. Tu es désiré. Olive parakli. O Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ton temple en tu es désiré. Seigneur, nous te supplions, emmène-nous à prier par l'Esprit. Conduis par l'Esprit, à être nourri par l'Esprit, à entendre ton rhéma, à obéir à ta parole. Accorde-nous de vivre pour toi. D'être assoiffé de toi. Ne nous laisse pas servir un autre maître que Jésus. Oh, nous t'implorons. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir été rachetés, lavés dans le sang de l'agneau saint. Oh, nous t'implorons, accorde-nous la grâce de t'entendre et de pratiquer ta parole, d'obéir à tes instructions. Oh, Paraclet, oh, Saint-Esprit, désiré, désiré, aïe, aïe. Tu es désiré, 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 oh désiré, oh désiré, tu es imploré, honnête-moi. Fais-moi reconnaître les bergers que tu as placés dans ma vie. Oh, désiré, 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 oh désiré, désiré, oh désiré, désiré, oh God, we desire you, we want you. Au-delà des messages, au-delà des enseignements, des prédications, des exhortations, nous te supplions, accorde-nous la grâce d'entrer dans la catégorie des hommes et des femmes qui sont désormais conduits par l'Esprit. Malgré nos manquements, nos faiblesses, nos incompétences, nos inconsistances, nos légèretés, conduits par l'Esprit. Père, je demande que cette grâce d'être conduit comme jamais auparavant, à cause d'un cœur docile, d'un cœur sincère, d'un cœur humble, d'un cœur soumis, d'un cœur assoiffé, que cette grâce soit amplifié dans la vie de ton peuple, dans la vie de celui qui dit amen comme le tonnerre. Au nom de Jésus, acclame-le, 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 acclame-le. Salé bravo to sala la mala. Shela malaro shila lema. Amen, 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 amen.
dans cette atmosphère. Tu es connecté au son de ma voix. Dieu t'a parlé à travers cette parole et tu reconnais que tu ne le connais pas. Tu reconnais que tu n'es pas sauvé. Tu reconnais que Jésus n'est pas le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu veux l'inviter dans ton cœur afin qu'il soit le Sauveur, mais pas que le Sauveur. Tu veux qu'il soit également ton Seigneur, ton guide, celui à qui tu obéis. Si c'est ton cas, fais cette prière avec moi, connecté au son de ma voix, en présentiel ou par internet, et dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Comme l'enfant prodigue. Je reviens à toi. Toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Change ma vie. Prends les rênes. Réécris mon histoire. Et fais de moi la personne que tu m'as appelé à être. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Waouh, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu as fait cette prière sur internet, on voit le mot salut au moment qui s'affiche à l'écran. Si tu l'as fait en présentiel, viens vite devant, vite, ne regarde ni à gauche ni à droite. Cours, cours, cours devant. Nous voulons prier pour toi, te recommander à nos conseillers. L'heure est déjà avancée, alors quand il s'agit d'accepter Jésus, ne regarde jamais les voisins, ne regarde jamais à gauche. Dépêche-toi, je te donne 10 secondes, après 10, c'est terminé. C'est terminé. Alors bien-aimé, on acclame Jésus, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Père. Nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Alors, je me reprends dans la poussière et la cendre, je me reprends, je n'ai pas tenu ma promesse. J'avais dit que ça serait mon message, je l'ai fait rapide. Et puis, tu avais raison de douter de moi. Miséricorde, viens vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alors, comme c'est notre habitude d'impact centre chrétien, nous aimons prendre le temps de recevoir ceux qui sont là. Oh oui, emmenez-la directement. Tape là, yo, tape là, tape là. Voilà, les conseillers la prennent en charge. Merci. Merci. Le ciel est dans la joie. Il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus. Alors, si c'est votre première fois à impact centre chrétien, s'il vous plaît, levez-vous dans sa présence rapidement parce que, comme je n'ai pas tenu promesse, alors tu comprends. Il y en a qui sont là qui attendent derrière, dehors pour le deuxième culte. Alors. On veut accueillir. If you are here for the first time, please stand on your feet so we can welcome you and bless God for your life. Amen. C'est celle qui va la prima volta per favore, azate via, vinque la chiesa. Noi possiamo accogliere e benedire nel nome di Gesù. Amen. Alors, il s'essaie de localiser les biens parce qu'il va falloir les arroser de la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Il s'essaie. Are you ready? Come on y va! Est-ce qu'on dit à nos invités ce matin ici, c'est fait du bruit? Bienvenue. Où ça? À un chrétien. Ils n'ont pas bien entendu. Dis-le plus fort. Bienvenue. Où ça? À un chrétien. Un, deux, trois, on y va. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs. Venus dans ta maison bénis-les. On y va, à gauche, à droite, devant, derrière. Un, deux, trois. Béni, béni. Béni, béni. Béni, béni. Devant, derrière. À gauche, à droite. Béni, béni. Béni, béni. Seigneur, tu vois. Bénis-nous. Pour te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ton église connectée. Bénis-nous. N'oubliez pas qu'il y a un after church after the church. There is an after church after the church. J'ai mis ton anglais cassé là. Hein? Miséricorde. Va apprendre l'anglais. Donc il y a après l'église pour la famille online. Donc ne te déconnecte pas. Retrouve tes frères et tes sœurs connectés. Amen. Pour un temps de partage et de prière et d'atterrissage. Comme nous on peut partager en présentiel. Partageons également sur internet. Amen.
Alors inclinons la tête pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Et pendant quelques instants, dis seulement, si Dieu t'a fait du bien, dis-lui merci. À partir d'aujourd'hui, tu as reçu la grâce et la capacité de marcher par l'Esprit. Juste avec un cœur assoiffé et sincère, tu l'entendras comme tu l'avais jamais entendu auparavant. Et là où tu avais raté une instruction qui t'avait donnée, parce que tu n'as pas appliqué, que la grâce de racheter le temps te soit accordée alors que nous demandons pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu n'as pas su discerner ce que disait l'Esprit, où nous n'avons pas su nous tous discerner, Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous la grâce d'entendre de nouveau et d'être conduit de nouveau par toi. Merci pour ta parole, pour ta présence, pour ce que c'est toi qui nous a inspirés et assistés pour t'offrir un culte que toi-même tu as agréé. Merci pour les vies touchées. Seigneur, étends ta main sur les corps malades. Par les meurtrissures de Jésus, guéris ces corps malades. Guéris les cœurs brisés. Ôte les fardeaux, brise les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un était molesté par le diable, je demande que la main qui est sur nous vienne, Seigneur, pour juger les œuvres des ténèbres, briser les bras des méchants et manifester les bonnes œuvres de Jésus-Christ, des miracles, des prodiges, des signes à la louange et à la gloire de ton saint nom. Merci de réveiller la hardiesse, l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit d'intercession, le fardeau du Père. Merci Père, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion magnifique du Saint-Esprit demeure notre partage et notre expérience de maintenant jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. À celui qui a commencé cette belle œuvre qui la rendra parfaite, soit la louange et la gloire et l'honneur de maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus le Christ. Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen.